fasse ma lumière devant moi, quoi. Alors, on va juste changer les personnages qui sont dans notre partie. On va enlever ça, et on va enlever ça. Donc, on va mettre Luigi qu'on n'a pas toujours vu. Peach qu'on n'a pas vu depuis un bon bout de temps. Et on peut aller avec... Toadette, on l'a pas vu aussi. Et comme ça. Et là, on allait avec... Château du Chaos. Et juste voir si... Ah, on a l'écraseur de Bowser. On va prendre celui-là. Hein. Donc, ça va être le dernier... dernière map. À faire sur Mario Party 10. Et par la suite, il va falloir que je fasse sur DS. Je pense que c'est comme ça que ça va s'enligner pour un prochain live d'un samedi. Peut-être pas samedi prochain. Peut-être que je vais faire autre chose et tout ça. Ça va dépendre aussi de bien des choses. Mais on verra bien là-dessus. Il y aura peut-être aussi un live demain. Je vous garantis pas à 100%. Mais j'ai peut-être envie de faire un mini live de rien du tout. Il y a une démo d'une Acrom de Super Mario, Super Mario 64 qui est sortie. J'ai peut-être envie de la faire. Je vais voir un peu là-dessus comment que ça s'enligne. Bienvenue à Mario Party, vous avez joué dans un château du chaos. Et oui... T'es peut-être en première. Ça veut dire que je suis deuxième? Ok, c'est pas si mal. J'ai le fait qu'on commence avec 5. On a tellement pas de nécessité de commencer avec 5. Tu sais, on pourrait juste commencer avec rien. C'est juste une claque au visage. Genre, littéralement, c'est que je commence avec rien. T'as besoin de rien. Oh oh! Bowser qui s'énerve déjà, hein. Et Toadette, regarde le gamepad, lequel? Un de mes amis est enfermé dans le gamepad, ouvrez les verrous et sauve-le. En guise de remerciement, je donnerai les mini étoiles. Donc là, on joue à l'inverse. Donc, avant, normalement, c'était de pas sortir Bowser du truc, mais là, c'est de sortir le Toad. As-tu essayé le Mario 3D, la compilation des jeux Mario 64 qu'on a eu? Comme 64, Mario Sunshine? Non, je l'ai pas essayé. Vu que j'ai déjà tous les jeux de base, je me suis pas dit que ça valait la peine que je me le procure. Donc là, je suis juste curieux, on a sorti un 3 et un 6, c'est ça? Juste quand même que, genre, quelqu'un calcule en tant que tel, genre, c'est quoi les chiffres qui sont sortis. Je suis curieux de savoir c'est quoi qui va sortir par la suite. Donc là, à date, il y a 6 et 3. J'ai quelque chose de bien que je peux prendre? Prendre ça. Salut, Kyo Katsu! Fait longtemps qu'on s'est pas vu là-dessus. Moi je l'ai acheté, c'est pas si compliqué que ça. Moi, ouais, en même temps, si t'as envie d'y rejouer et tout ça, y'a pas de problème là-dessus. Jusque moi, vu que j'ai déjà les jeux de mon côté et tout ça, je me suis dit bof, ça vaut pas tant la peine là-dessus. Puis, tu sais, c'est pas un remake, c'est pas un HD Definition, c'est exactement les vrais jeux de base, fait que je suis comme bof. J'ai déjà tous les jeux, donc ça me sert strictement à rien. Ouais, ça va bien, toi? Tu te retrouves en ce moment sur la. Je pense qu'on peut pas sauter. Je se retrouve sur le dernier plateau de Mario Party 10. Par la suite, je vais arrêter le live. Donc, en gros, j'espère qu'il sera resté pendant tout le long là-dessus. Ok, est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter. Good, c'est une bonne chose que ça va bien aussi. Est-ce que je peux pousser quelqu'un dans le vide? J'essaie de les pousser, mais ils sont... Ils veulent vraiment pas. Ok, on est tous ensemble. Tous ensemble! Non, 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 non! Ok, je vais être tout seul sur celui-là. Tous ensemble, premier. Pap, pap. Ouais, voilà, donc en gros, c'est pour les personnes qui n'ont pas, eu la possibilité de pouvoir y jouer et tout ça, bah c'est une super bonne chose, quoi. En gros, c'est vraiment dans ce principe-là, de toute façon, que ça a été offert. Donc là, il y a 3, 6 et 4, si je me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il reste 1, 2 et 5 à sortir. Pour libérer le Toad. Donc ça veut dire qu'ici, il y a 1 et 2 qui sort. Je vais essayer de prendre mon dé 4, 5, 6. Pour essayer peut-être là-bas. Vous voyez, comme ça. Hein? Tournifolie. Forêt cachette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pointez rapidement et marquez-les. Ah ouais, c'est soit des Goombas, c'est soit des... ok, ouais. Ok! Mario 64, jouer Mario Galaxy un peu et Mario Sunshine, je l'ai jamais vu. Mario Sunshine est quand même assez très bien. Moi, perso, je l'aime beaucoup. Il faut que je trouve les petites merdes. C'est comme ça qu'on va les appeler. Petite merde numéro 1, petite merde numéro 2... Quoi? Il l'a cherché en arrière?
Non mais... Ils sont Non mais les bots sont malades là en ce moment. Wow wow wow. T'as juste le truc qui sort juste un peu, ils sont genre... Ouais, exactement comme tu dis, Yoshar, si t'as les versions physiques de tous les jeux, ben, y a pas tant d'utilité. Y a juste Mario 64 que j'ai pas, mais bon. On peut s'entendre qu'il y a l'émulation, mais y a personne qui m'a vu le dire. Donc au final, ben. C'est pas si grave là-dessus. Ah, il avance de 10. Attention, en cas de ma chance, vous perdez 5 mini-étoiles si un poids à lave vous touche. Ben là en bas, hein. Mais non, c'est ça, c'est la Nintendo 64, je l'ai plus de mon côté, de toute façon, parce que, tu sais, j'aurais bien aimé garder ma Nintendo 64, mais je l'ai passé à ma soeur l'utilise un peu plus, puis à un moment donné, il y a certains jeux que, tu sais, qui sont vraiment plus dispendieux en ce moment, d'essayer de faire une collection, déjà juste les jeux de GameCube, je l'ai déjà dit assez souvent, mais déjà que les jeux de GameCube sont assez dispendieux, j'ai pas besoin de mettre de l'argent de plus dans les jeux Nintendo 64. Mais peut-être à un moment donné, si... Si la vie m'apporte vers ça, peut-être. Est-ce qu'elle récolte les deux? Ah, récolte les deux. Pas bon, ça. Mais pour le moment, à date, je m'abstiens simplement à tout ce qui est au-dessus de Nintendo 64. Ok, quelque chose d'intéressant que je peux faire. Non, pas vraiment. On va prendre un dé normal. Peut-être qu'on va pouvoir reculer à 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ça veut dire qu'il y aurait juste 1 et 2. On va aller ici. Hein. On va laisser les éliminer les étoiles de plus. On pouvait pas trop les récolter. Ouh, double D. C'est nice. Donc il reste 1 et 2 à débloquer. Pour sauver le Toad. Pas 3. 3 était pas dans les trucs. Oh shit, j'oubliais le stream. Juste Baké est encore vivant. T'as réussi à acheter la nourriture pour ton chien finalement? J'espère que oui, hein. Si tu me dis que genre t'as oublié de faire ça en même temps, c'est pas une bonne chose. Hein. Allez, un ou deux? 5 quand même. En même temps, je te comprends juste back-up au nombre de fois que je fais des lives de temps en temps. C'est dur des fois d'y penser. Ouais, une remontée de viewers quand même pour la fin. Oh, allez, let's go pour le boss. Je sais aussi, il y a quelque chose pour les abonnés. Tu sais, marqué first à côté de votre truc, mais je pense que vous pouvez changer le petit logo pour mettre la petite étoile ou un truc comme ça. Il me semble. Je peux peut-être me tromper, mais il me semble que... Ah, ce mini-jeu, je l'aime pas. Il me semble que je l'aime pas. Attends, ils ont sorti le même Mario Party sur la Wii U, au secours. Non, pas exactement. Il y a quand même les boss fights qui sont différents, quoi. C'est quoi donc? Faites tourner le Mega Quavaros. Ok, c'est en gros c'est que tu peux choisir si ça attaque quelqu'un ou non. Comprends. J'ai joué un peu de Smash sur émulateur. La connexion est meilleure que sur coffre Nintendo. C'est quand même triste là-dessus quand tu y penses. Ah, c'est triste dans tout ça. Bon, let's go. C'est le temps de shooter. Let's go. Le temps de faire le snipe. Piou piou! Je vais attendre que voir qu'est-ce que les autres vont tirer pour pas me faire toucher. Allez-y, allez-y. Ah, I got you baited. Bon, au moins c'est en HD maintenant, Zarluk. Peach est fâché, hein, il est tout en train d'utiliser ses trucs. Je pouvais pas tirer, donc j'ai tiré dessus, hein. La stratégie, c'est tout le temps de garder une carapace au moins, parce que si ça arrive sur nous, après, on peut plus tourner, hein. Donc, faut faire attention là-dessus. On va y tirer dessus, hein. Peach, encore. Il faut juste que je tire plein de balles dessus. Vite. Oh, je pensais que ça allait le switcher après. Je
tellement méchant envers Peach en ce moment, mais il y a tout le temps Luigi qui va en tirer une dessus. Luigi, il fait tout le temps de tourner juste à la fin, puis dès que je le vois tirer, il reste plus de temps, je clique dessus, quoi. C'est simple que ça. Bon, let's go. Faire le coup final. Ah oui, il faut faire attention au chip-chip qui tourne en rond. Ah oui, c'est à moi. Merde. Je suis tellement méchant vers Peach. Je suis tellement en train de la faire, genre, éclater. Ouais, Luigi, il veut vraiment me faire chier. Hein. Allez. Puis je peux pas tirer encore. Ok, il faut juste que je me concentre là, à tirer. Tant que tout le monde va tirer une bonne partie. Non! Je suis quand même premier. Yes. Genre, la vie qui restait, il fallait vraiment faire attention, genre, à la fin. Ça fait 7 ans que je te suis sur Twitch, no way. 7 ans! Non, t'es pas sérieux, Sushi. Non, t'es pas sérieux. Follow depuis le 16 novembre 2013. Damn! Rebonjour à toi, ça fait quand même 7 ans. Eh, ça veut dire que ça va bientôt faire 8? Attends, c'était bien au mois d'avril? Novembre, ok. Ta! C'est quand la dernière fois que t'as vu le stream? Sérieusement, ça fait longtemps, Sushi, là-dessus. Hey, il y a beaucoup de gens quand même qui reviennent, c'est quand même cool là-dessus. Salut Jordan Fred, c'est Mario Party 10. Je trouve ça drôle quand même qu'on arrive à la partie... quand même là-dessus. Zarluk, c'est avril 2013. Ouais, avril 2013. C'est quand qu'on clique sur le nom comme Kiatsu, tu me suis depuis le 14 mars 2020 là-dessus. En gros, tu peux voir chaque personne et tout ça là-dessus. Donc il reste un virus, c'est... donner 20 mini étoiles, c'est quand même beaucoup là-dessus, c'est... C'est 2 pour avoir les 20 mini étoiles. Et là, j'ai rien pour. Donc, c'est pas une bonne chose quand même là-dessus. Mais Sushi, ça fait vraiment longtemps quand même. Ben, je suis content de t'en voir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tout d'un coup, tu te promenais sur Twitch et t'as vu que je suis en train de streamer ou. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Attends, si je regarde le parcours. Je suis capable d'avoir 10, c'est un peu ballsy quand même d'avoir. Non, je vais y aller avec un D4-6, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Mario Party 10 qui est un très mauvais Mario Party à mon avis. Je te dirais qu'il est quand même pas trop mal, mais c'est pas... Ça va là-dessus. Pas le choix d'aller à droite. Il est pas trop mal, mais c'est pas non plus le meilleur Mario Party. Je pense qu'à partir du 9, c'est là que ça a comme commencé à... Il est bien avec des gens. Mais pas de jouer tout seul là-dessus. Je me souviens pas vraiment c'était comment la dernière fois, mais je me souviens des lives marathons pour la collecte de fonds en genre 2014. Ça fait vraiment longtemps, ça fait genre 7 ans de ça. Je me sens tellement vieux à chaque fois que je parle de ça. Ça veut dire que j'avais genre début vingtaine. Là, je suis déjà rendu à 27. J'ai l'impression genre d'être un vieux de la vieille. Genre, j'ai l'impression genre d'être comme un boomer, quoi. Genre, ma vie finit genre demain, c'est fini. tu te promets sur Twitch, mais content que tu viennes voir de temps en temps là-dessus. C'est vraiment gentil de passer voir là-dessus.